Tenía claro que no era pa' mí. Pero igual, yo sigo aquí, aunque no es tan fácil. No sé por qué sigo amarrado. Creo que por cómo lo hace, me juzgué pasando la segunda base. Yeah. Hace días que no vemos, yo sigo pensando en ti. Yo sigo pensando en ti, con todo lo que te di, todas las veces que te di. Bon, ça y est, on est dans la voiture. J'espère que vous allez bien. On est dimanche quoi, 24? Oui, c'est ça. On est dimanche du coup, 24 mars. Ah oui, c'est l'hippodrome ça. Oh, putain, mais c'est gros, je me rappelais pas que c'était aussi gros. L'hippodrome de Vichy. On est arrivé. Ah, il y a McDo. Oh, non, j'ai fait tous les sandwichs, j'ai fait tout ce qu'il faut. Ah ouais, c'est tout barré là déjà. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? J'arrête pas de dire ça à Vincent dans la voiture. J'ai dit non, mais faut. Je sais pas. Faut aimer, hein. Il est 9h42. Et encore, elle est pas trop tôt la course. La prochaine, comme je disais à Vincent, elle est beaucoup, beaucoup plus tôt. Hein. La prochaine, je crois que le départ, c'est à 8h ou 8h10. Donc, ça sera encore plus tôt. Surtout que moi, il faut quand même que je me lève un peu avant. Parce que le temps que je mange et que le corps il digère. Donc, faut que je me lève minimum, que je mange minimum 2 heures avant. C'est bien déjà, quoi. Donc voilà, écoutez, on est arrivé. C'est dedans là. Hein ? C'est dedans là. Dedans quoi ? Bah le départ, c'est à l'intérieur. Là là ? Ouais. Oh, je suis pas sûr, il n'y a pas de voiture mon mec. C'est derrière. Enfin, là. Ah ouais, les gens ils rentrent là ? Non. Mais la cave à quoi ? C'est là-bas. Hein. Ah ouais. Oh là 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 là. Donc bon écoutez, de toute façon je laisserai la caméra à Vincent si il peut parce que. Vu qu'il a les deux enfants à gérer et tout, avec la poussette et tout, je lui laisse, tu te tires pas là ? Non. Je lui laisse la caméra, comme ça s'il peut prendre 2-3 oui. Prises. Qu'est-ce qu'il y a, Dadou ? Hein ? On est arrivé. Oui, on est arrivé, on va chercher une place pour se garer. Ah oui, il y a du monde là. Pff, allez, ça va le faire. Oh, merci mon petit chat. Oh là, j'ai peur. Bon, c'est fait. Avant de débriefer, je vais ranger le foin. Parce qu'on en a mis, mais partout, partout. Donc, je vais ranger le foin, lancer des machines, prendre ma douche, etc. Et puis après, je vous ferai le débrief de cette course. Je voulais juste vous montrer. Attendez, j'ai même pas enlevé. Je voulais juste vous montrer le t-shirt. Je le trouve trop beau. Attendez. Voilà. Ah, là. Regardez. Foulée vichysoise, parce que je l'avais pas vu, je l'ai mis direct quand je suis arrivée. Il est beau, je trouve. Hein, bon, j'aurais peut-être pu prendre un XS parce qu'au début, il m'arrive là. Au début, ah non, Dadou! Ah! Désolée, j'avais Dadou qui est en train de m'enlever tous mes bijoux. De quoi, mon mec? Hier, on a pas fait sécher. Ah non! On va relancer une machine et j'en fais comme deux. Est-ce que tu peux juste me filmer, mon mec, pour que je fasse un petit t-shirt? Parce que vu que je suis courte des bras. Oui, mon Dadou! Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ah, aspirateur, oui. Regardez mon t-shirt. Non mais mec, abuse pas, regarde. Je vois pas. Ce que tu filmes. J'étais belle, hein. J'étais belle. Et au début, la meuf, elle me dit, vous prenez quoi comme taille? Je dis, bon, M ou S. Et là, elle me regarde, elle me dit, non mais je pense qu'il vous faut un XS. J'ai fait, non, non, mais moi, je mets pas du XS. Et après, Vincent, il me regarde, il me dit, je pense que tu peux prendre du XS, mais bon, prends du S, si ça peut te rassurer. Et je crois qu'il avait un peu raison, hein. Bon écoute, je suis bien dedans, je suis à l'aise au moins, hein. Faut faire mes mouvements. Bon allez, je m'occupe de tout ça et après je vous... Ah, qu'est-ce qui... Ça fait bizarre que t'as tourné tout le truc. Ah, j'aime pas du tout quand tu filmes. Pourquoi tu filmes aussi près ma tête? Je te le rends. Je vous filme tout ça et puis je vous raconte. Je vous raconte. Je suis en train de préparer les affaires pour ma vie pour demain pour l'école. Du coup, j'étais en train de... Quoi? Bah, je suis en train de les faire, mon chat. J'étais en train de voir celle-là. Je sais plus si je vous l'avais fait voir. Comme elle est trop belle, elle l'a eu pour son anniversaire. C'est Tati qui lui a acheté celle-là. Elle est pas trop belle. C'est une grosse poupée l'homme. Bon, il y a les accès et tout. Et je sais plus où elle est, la Barbie aussi que Bérangère, elle t'avait offert pour son anniversaire. Ah oui, je sais pas. Elle était belle aussi, celle-là. C'est laquelle? C'est moi.
Oui, Dadou. Ah oui, c'est Nala, oui. Laisse-la dormir, Nala. Je la trouve pas. Tu la trouves pas? Elle est dans une de tes caisses? Ouais. C'est-à-dire que c'est tellement bien rangé. C'est trop de déguisement, ça. Ah non, oh non, ah non, je croyais. Oh là là, oh là là. Cachons ça, cachons ça. Du coup, demain, elle a ces petites chaussettes, là. Ça sera que j'aime trop. Avec le petit t-shirt comme ça, et je mets ce jean, là. Qui vient de chez Orchestra. Bon, j'ai le petit de pied. Orchestra, je l'aime bien aussi. Je le trouve joli. Bon, Mélie, elle voulait absolument vous faire voir son puzzle, comme il est beau, et qu'elle a fait rapidement en 2-3 mouvements. Voilà. Il est très beau, ton puzzle, mon petit chat. C'est qui dessus? Hein? Blanche-Neige et... La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Ah, bah, fais attention, tout petit pied. Bonjour à tous, à toi, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Manon? Oui. On a l'impression qu'on est le lendemain et nous on attend les résultats de ta course, mais qu'est-ce que tu fous? Je vous raconte ça plus tard, puisque là, avec les enfants et tout, je vous explique aussi pourquoi hier après-midi, je ne vous ai pas trop repris. Mais en attendant, je vous montre un petit peu de contenu tout de suite, puisque je suis en train de faire à manger. Nous avons notre ami, mon meilleur ami, le brocolaï. Je vais couper 2-3 patates, je vais faire un gratin de brocoli pommes de terre. Et je vais faire du saumon, ce serait pour ma gamelle de demain midi principalement. Et aussi pour que Raphaël mange ce soir, ce sera prêt d'ici une heure. Et pourquoi? Puisque ce soir nous mangeons hamburger frites maison. Voilà, on avait envie de se faire ça, donc on se fait ça ce soir. Normalement c'était le menu de mercredi soir, mais finalement on alterne, donc on place ça ce soir. Mira, baby, dime cómo duermo. Si mi cama no te tengo. Dime cómo hacemos para olvidarme del sabor. Regarde, c'est les œufs. Regarde, c'est les œufs, Dadou. T'as vu? Hmm? Je veux de la pâte à frites. Tu quoi? Je veux de la pâte à frites. Ah, ouais. Attends, je vais. Après, il faut faire quoi? Du sucre. Il faut 150 grammes de sucre. Attends, je vais chercher la balance. Petit gâteau au chocolat, une petite patate brocoli avec du saumon. Du coup, je vais en emmener un pour demain midi et l'autre, ce sera pour demain soir, soit pour ma vie ou soit pour bébé Raph. Petit hamburger maison frites, voilà. Du coup, on a des petites tranches de bacon, une petite tranche de comté et vous savez, les tranches de comté là, toutes prêtes là, coupe en deux. Et moi, je préfère mettre ça que du fromage à hamburger et tout qui n'ont pas de goût. Un steak haché. Voilà, et on a fait des frites de carottes et de pommes de terre. Allez, je vais me mettre dans la chambre pour clôturer le vlog et terminer. Du coup, c'est... Ouh là là, ce vlog, on n'a même pas fait le livre aujourd'hui. En mode course, du coup, que je vous raconte les détails de ma course donc, que j'ai effectuée dimanche. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai participé à la Vichysoise. Bon, normalement, vous savez, parce que c'est un vlog de dimanche et de... Enfin, dimanche, lundi, donc normalement, il n'y a pas trop de suspense au niveau de la vidéo. C'était une course de 10 km et qui n'était pas prévue à la base sur ma liste. Prévue, oui et non, mais pas tout de suite. Je pensais qu'elle était plutôt vers mai-juin. Et non, finalement, elle était là, bien présente au mois de mars. Et donc, du coup... Je me suis dit, eh ben vas-y Manon, carpe diem, tu l'attends et puis tu verras bien ce que ça donne. Voilà, j'avais pas de trop d'objectifs de temps puisque je ne sais pas trop ce que je vaux sur un 10 km tout de suite. Mais voilà, je me suis dit, vise au moins de vaincre ton RP, donc mon RP qui était de 1h06 exactement.
Donc voilà, je voulais le viser en 1h04. Et donc du coup, bah, j'ai effectué ma course. Voilà, petit suspense. On est arrivé. Donc déjà, on avait une heure de route. On est arrivé, j'étais quand même stressée de fou. Et je sais pas, j'ai eu cette vague sensation d'être nulle à ce moment-là parce que je regardais les gens qui m'entourent et j'avais l'impression d'être qu'avec des personnes qui étaient dans les clubs d'athlètes. Voilà. Je sais qu'il y avait quelques... pas novice, comment dire ça. Je sais qu'il y avait des personnes qui étaient hors club comme moi, mais j'avais l'impression de vraiment être entourée de personnes qui étaient que dans les clubs via leur t-shirt, parce qu'ils ont tous le même t-shirt, via leur tenue, enfin voilà, typique dans le jugement, voilà, en mode on se regarde tous comme ça, et je me suis demandé ce que je foutais là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, j'ai pas ma place, j'ai l'impression que c'est une grosse course. Enfin, voilà, j'étais pas du tout à l'aise, mais bon, écoutez, maintenant que j'y étais. Donc mon premier coup de stress, ça a vraiment été ça, j'ai récupéré mon dossard, j'ai pris un t-shirt, et une fois que je m'étais équipée, et ben vers 10h45, je dis à Vincent, bon bah allez, je vais aller faire des petites gammes, je vais m'échauffer et tout. Au moment où on est sorti pour m'échauffer, Vincent me dit, ben moi je vais me mettre sur la ligne de départ, je veux devoir partir. Une averse. Alors que franchement, il y a des annoncés pas du tout pluie. Une averse, mais de psychopathe. J'étais trempée de la tête aux pieds. Les enfants, Vincent, étaient tous trempés. Du coup, de loin, je les regarde, je leur disais, allez à l'intérieur, c'est pas grave, allez à l'intérieur du gymnase. Je partirai sans vous, c'est pas grave et tout. Donc, je me mets dans mon sas trempée. Ça s'arrête de pleuvoir, voilà, par chance. Vincent sort. Je l'ai pas vu, moi, de près quand j'ai fait mon départ, il est juste venu me faire un bisou avec les enfants. Il m'a dit, je vais essayer de filmer ton départ, mais je te garantis rien. Puisqu'on était vraiment très nombreux. Au total, on était plus de 3000 inscrits pour le semi et pour les 10K confondus. Mais pour... je la refais. Pour les 10K, on était 1400 ou 1600, je sais plus, participants, quelque chose comme ça. Et du coup, on était quand même nombreux. Hein, voilà. Donc, je me suis mis dans mon petit sas, plus de 60 minutes. Et du coup, il y avait les meneurs d'allure, donc avec leur palme derrière, leur petite toile marquée 60 minutes. J'étais à quoi, 50 mètres du meneur d'allure. Et en fait, j'ai commencé ma course en me disant, Manon, ton objectif, c'est que tu ne perdes pas de vue ce panneau marqué 60 minutes, voilà, c'est un panneau marqué bureau vallée, pour être honnête. Donc bref, je me suis dit, vas-y, tu vises ça et tu t'essayes au moins de toujours l'avoir dans ton champ de vision. Et puis voilà, les deux premiers kilomètres étaient quand même super compliqués puisqu'on était très nombreux, on piétinait, on avait l'impression de se marcher dessus, et le truc c'est qu'en fait il n'y avait pas trop d'ouverture pour que je puisse me mettre à mon rythme. Du coup, je regardais un petit peu ma montre, pas pour le temps, mais surtout pour ma cadence. Et je voyais que déjà, je collais pas à mon allure, l'allure que je voulais. Voilà. Donc, ça m'énervait un petit peu. Je me suis dit, il faut vraiment que tu te dégages de cette foule. Parce que c'est en train de te... Enfin, ça me plaisait pas. Puis, j'étais pas à l'aise. Ça se poussait. Enfin, j'étais pas à l'aise. Donc, je me suis mise sur un petit côté. Et moi qui suis habituée à courir dans mes chemins, du coup, des fois je courais un peu sur l'herbe, je faisais des grandes enjambées, machin et tout. Et en fait, vers le troisième kilomètre, j'ai réussi un peu à doubler cette foule et je me suis mis à mon allure. Et là, je me suis mis à courir. Voilà, j'ai suivi un petit peu ce panneau. Il était toujours dans mon champ de vision. Et puis, vers le 6-7e kilomètre, je commençais à re-regarder ma montre. En fait, je regardais ma montre à chaque fois que ça me passait un tour. À chaque fois que ça me passait un tour et que ça vibrait, à chaque fois qu'il y avait un kilomètre et que ma montre vibrait en me disant « t'as fait tant de kilomètres », je me disais « allez Manon, tu vas chercher le cinquième, tu vas chercher le sixième, va chercher ton septième kilomètre ». Et du coup, je regardais juste à l'allure à laquelle je terminais mon kilomètre et je voyais que ça commençait à coller et tout. Et vers 7e kilomètre, je regarde ma montre à nouveau et là, je vois que j'étais à 5,20, quelque chose comme ça. Et là, je me dis « c'est bien ». Ton objectif, meuf, c'est au mental. Tu termineras cette putain de course. Faut que tu gardes cette allure. Et en fait, j'ai gardé cette allure tout le long. Il y a même un tour, je crois que j'ai fait à 5-9. Et en fait, arrivé au 9e kilomètre, Vincent m'avait fait voir sur le parcours. Il m'a dit, quand tu arrives à ce point-là, tu accélères. Tu te redonnes un coup. Tu te redonnes un petit coup d'élan, là. Et du coup, vers le 9e kilomètre, j'étais à ce point-là. Je me suis mis un petit coup d'élan. Je me suis remis à courir et tout. Vincent m'envoie un message dans mes écouteurs.
Il me dit, meuf, t'as fait le plus dur. On est là, on t'attend. Vas-y, go, quoi. Donc, du coup, je me mets à tracer, à tracer, à tracer. J'arrive à un espèce de virage et je vois au loin l'arche. Il restait quoi, 500 mètres, je vous jure. Mais je les ai, mais... Je sais même pas comment j'ai fait pour courir aussi vite sur 500 mètres. Et en fait, quand j'étais passée la ligne d'arrivée... Donc là, j'ai vu personne, mais une ambiance. Tout le monde encouragé sur les 500 mètres, derniers mètres. Tout le monde était au... Maintenant, il y a du monde qui regardait. Hein. Aux barrières, allez, allez, allez. Du coup, moi, je courais, mais je me suis mis à taper. Mais un sprint. Surtout que franchement... Attendez, je vous lâche. Ça portait un peu à confusion parce qu'en fait, on arrivait comme ça et l'arche était là. Vous voyez, c'est comme si l'arche était là. Et en fait, on arrivait comme ça et vous vous disiez, putain, mais l'arche, elle est où? Et en fait, il vous faisait passer comme ça, hop, revenir sur vos pas pour revenir et passer par l'arche, en fait. Et franchement, j'ai tracé et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai pas vu Vincent. J'ai cru voir le caouet de Vincent sur un côté, mais j'ai tellement tracé, il y avait tellement de monde. Je me suis arrêtée, j'ai repris mon souffle, genre une vingtaine de secondes, et j'ai mis stop à ma montre. Je lève mes yeux. Déjà, je vois que ma montre me sonne, et ça me marque juste le tour. Donc, je vois 10, et je vois le kilomètre que je l'ai fait en 4, je sais plus combien. Franchement, mais j'étais à 4 km quelque chose. Et là, je me dis, waouh, j'ai passé le dernier kilomètre, mais en fait, j'en avais encore sous la pédale, et c'est ce qu'il faut. Enfin, j'étais contente de moi, de me dire... T'as respecté tous tes entraînements, les soirs où tu cours tard, tout ça, tout ce que j'écoute sur le running, tout ce que j'apprends et tout, et ben ça a servi puisque ben, j'en avais encore sous le pied et je suis pas arrivée. Alors je suis arrivée en mode parce que j'ai donné toute ma vie sur le dernier kilomètre, mais en vrai c'est ce que je disais à Vincent, j'aurais pu continuer quoi. C'est ça qui était ouf, c'est que je sentais que même à cette allure avec une grosse cadence, je pouvais continuer, j'étais pas cramée. Bref, trop contente. Et là, donc du coup, mon truc de mon dernier kilomètre, du 10e kilomètre, s'enlève. Et là, je vois quoi? 1h58 secondes. Et là, je fais... Oh, les larmes sont montées. J'avais un sac plastique avec des une bouteille d'eau, des chips, une compote. Enfin, voilà. Oh, mais y a eu un... Et là, je suis... Oh, et j'en avais rien à faire. J'ai même pas eu envie de boire. Parce que là, ma seule obsession, c'était de voir mon homme et mes enfants et lui dire oh, « Je crois que j'ai fait 1 heure et tout. » Et là, en fait, je vois Vincent arriver et il me regarde, il me fait « Meuf !» Je me rappellerai toujours de cette action. Il me fait « Meuf, 1 heure, je te l'avais dit, tu l'as fait en 1 heure. » Et là, je regarde, je fais oh, « Je crois que j'ai fait en 1 heure. » J'avais les larmes qui me montaient et tout. Il me dit « Mais oui, c'est sûr et tout. » Il me dit « Puis t'es vachement bien classé et tout, quand ils ont dit les arrivées et tout. » T'es super bien dans le classement et tout. Je fais mais non. Il me dit si si je te jure et tout. Du coup bon bref, l'émotion de ouf. J'étais dans ma bulle. J'étais en mode mais c'est pas possible. Comment j'ai pu gagner autant de temps? D'habitude je le fais en 1h06. Et enfin la dernière fois que je l'ai fait, que je l'ai tenté, je l'ai fait en 1h06 et j'ai gagné mais 1 km/h. C'est à dire en gros que pour courir et pour faire 1 heure, il fallait que je coure à 10 km/h tout le long. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai couru à plus de 10 km/h. J'avais une moyenne de 6. Voilà, 6 par tour. Donc j'ai fait 1 km. Pour faire 1 km, j'ai mis 6 minutes. À chaque fois, pratiquement. Enfin, des fois plus, des fois moins. Mais j'ai, en général, sur mes 10 bornes, j'ai fait ça. 6 minutes pour faire 1 km en moyenne. 6 km/h. Et trop contente. Les résultats arrivent. Machin, nanana. Je regarde ma ligne et là, mais scotché, je vois que je l'ai fait en 1h29 secondes. En fait, officiel, ça fait toujours un peu plus parce que le temps que vous badgez, machin et tout, et voilà. Mais du coup, retenu 1h29 secondes en réel. Je suis 166e sur plus de 600. Je me demande si c'est pas 44 ou 54, je sais plus, sur ma catégorie. Donc je suis trop contente, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je suis 660e, un truc comme ça, sur 1400 ou 1500. Je trouve ça incroyable. En fait, là, de le dire comme ça, je trouve ça incroyable. Incroyable. Même si Madame Jamais l'a satisfaite, quand j'ai vu mon résultat, du coup, j'étais trop contente et tout. Et après, dans la voiture, j'en parlais un instant avec Vincent, puis je disais, oh,
Faudrait quand même aimer voir le 0,0159 ou un truc comme ça. Vincent me regarde, il me dit non mais meuf, il me dit c'est déjà super bien. Il me dit je suis incapable de tenir 10 bornes en une heure. Enfin, il me dit c'est super bien. Il me dit tu te rends compte comment t'as progressé depuis que t'as repris le running. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai quand même repris mes entraînements. Enfin, j'ai repris le sport à courir un petit peu, voilà, pour la ligne, pour, voilà, pour me remettre en forme. Depuis, on va dire, mars-avril de l'année dernière, donc mars-avril 2023. Mais j'ai vraiment repris les entraînements intensément en octobre pour faire la course stage de novembre. Suivre un programme, je parle. Donc en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, je trouve que j'ai quand même bien progressé et je le vois là. Enfin, je peux pas ne pas le voir, c'est pas possible. Enfin, voilà, donc j'étais trop contente, j'ai trop kiffé, c'était trop trop bien, même si j'étais super stressée. Enfin, je suis trop contente, voilà, je peux être que fière de moi. Le prochain événement, c'est un 10 km également, mais c'est pas du tout le même parcours, c'est pas sur du plat, il y a pas mal de dénivelé. C'est des faux plats, beaucoup de faux plats, la prochaine course que je vais faire. Donc j'espère viser mieux, ou au moins le même temps, mais c'est pas le même parcours, donc je peux pas juger, mais l'année prochaine, je referai la vichysoise et j'essaierai de faire mieux. Voilà, j'essaie de faire mieux. Mais voilà, c'était ouf. C'était ouf. Allez, je vais vous laisser là avec mon gros smile. On va aller regarder Marie au premier regard. Je vais manger mon petit hamburger avec mes frites de carottes et de pommes de terre. Demain, reprise des entraînements. Je ferai une petite endurance fondamentale tranquille juste pour dérouler les jambes. Et puis le prochain, c'est vendredi. Mon appli, elle m'a dit qu'après le tranquillou cette semaine. Mais je reprends dardard vendredi. Voilà pour tout ça. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao. A Chanel mezclado con sudor, de tanto celos solo recuerdo el olor, al alcohol mezclado con error y que el tacho me da vuelta y no te veo. Quiero olvidarte pero no puedo, te quiero llamar y no me atrevo, me conformo con tu story pa verte de nuevo. Baby que el tacho me da vuelta y no te veo, quiero olvidarte pero no puedo. Quiero llamar, pero no me atrevo. Me